Yo tout le monde, c'est Arnaud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est Noël. Pour Noël j'ai eu la Chromecast. Donc on va la déballer et la configurer. Je vais pas le faire à deux mains parce qu'il y a une main qui doit tenir mon téléphone. On tombe sur une boîte. Ça, c'est bien aussi quand même. On peut avoir un streaming vidéo en HD, peut se connecter en Wi-Fi, compatible avec le Sensorama. Duplication d'écran disponible. Compatible avec les Android, les iPhones, les iPads, les Mac, les Windows, les Chromebooks. Ici, on voit Chromecast. On peut regarder la télé et des films, la musique et des contenus audio, sport, des jeux. Découvrir les applications compatibles Cast sur Chromecast.fr. Non, slash apps. Après, ici, on peut voir comment caster les vidéos. Sur YouTube, par exemple, on a ce petit bouton-là. Bon, là, on a fait le tour. Ici, il n'y a rien de marqué. Faut que j'arrive à bien faire le focus. Pour le système d'exploitation, il faut Android 4.1, iOS 8, Windows 7, macOS 10.9. Au minimum, ce système d'exploitation, je l'ai dit. Après, on voit une boîte avec le logo Google Chrome, Chromecast. On voit la Chromecast en elle-même. Branchable HDMI à ton portable. On voit un câble de chargement vers un micro. Ouais, j'ai pas de bêtises, micro USB. Et là, une petite notice d'installation. Donc, on la configurera après, dans la suite de la vidéo. Pour vous, ça va être tout de suite, mais moi, ça va être ça va être dans la semaine. Donc cette vidéo, il se peut que ce soit la première vidéo de 2018 ou la dernière de 2017. En tout cas, c'est un beau design. Vous l'avez bien réussi, Google. Bon, en place pour l'intro. Bonne année à toutes et à tous. C'est Arnaud, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai eu le Chromecast à Noël. Je voulais faire une vidéo déballage et configuration. C'est ce qui a été fait. Franchement, le déballage, vous l'avez vu, c'était l'intro. Et maintenant, passons à la configuration. Déjà, on va allumer la télé. Là, le Chromecast s'allume parce que j'ai branché en HDMI 2. Donc, il faut le configurer. Si on va sur Chromecast slash setup. Alors, on va filmer ça. Alors, on va aller. J'y suis déjà parce que j'ai eu des prises ratées.
Donc on va sur Chromecast slash setup. Donc du coup ça nous redirige vers Google Play qui nous fait installer Google Home. Donc c'est la Chromecast, je vois que vous voyez pas très bien. C'est la Chromecast 1800. Donc nous ouvrons Google Home. J'ai juste flouté la partie avec mes comptes, ce qui est compréhensible. Donc on est en train de rechercher des appareils. Ah ben on va configurer la Chromecast 1800 vu que c'est la Chromecast 1800. Évidemment, pendant... Il est possible que votre téléphone se déconnecte du Wi-Fi. C'est pas possible. C'est le téléphone se déconnecte du Wi-Fi. C'est pas la même chose. Connecté. Oui. Chambre. Ok. Oui. Maintenant que votre Chromecast est configuré, on va pouvoir s'amuser. Prenez votre iPhone ou votre téléphone Android, ça marche aussi avec votre tablette ou ordinateur portable. Connectez-vous au Wi-Fi. Ouvrez une application compatible avec Chromecast. Sélectionnez une vidéo. Et appuyez sur Chromecast pour la diffuser sur votre télé. Utilisez votre téléphone pour régler le volume et pour avancer ou revenir en arrière dans la vidéo. Avec l'application Google Cast, découvrez de nouveaux divertissements. Apprenez à diffuser vos contenus à partir de votre ordinateur portable et découvrez d'autres fonctionnalités sur chromecast.com/learn. Donc là, ça fait la première mise à jour. Parce que, comme toute chose que tu achètes au magasin, il n'est jamais, à part si tu achètes pile poil au moment de sa sortie, mise à jour. Et la vidéo, elle sera sortie que le week-end du 20 janvier, ma première vidéo de 2018. Parce que c'est ça ma première vidéo de 2018. J'ai pas prévu autre chose, franchement. Dès que j'ai le Chromecast, je me suis dit, c'est ça ma première vidéo de 2018. Bon, maintenant que c'est... Maintenant que c'est configuré, on va juste attendre le redémarrage. Eh ben ça fait même plus le Chrome. Ah ben c'est bien ce que je me disais, je capte bien le wifi de ma chambre. Franchement. Maintenant je peux même caster l'écran de mon iPad. Et bah ouais. Et mon génie. Et vu comme je réfléchis, franchement.
Ouais, c'est ça. Normalement, c'est compatible avec le Chromecast. J'aimerais essayer de caster l'écran de mon téléphone sur le Chromecast. Ah d'accord, c'est un télé Samsung. Je m'en donne. Bon, en tout cas, cette vidéo déballage et configuration. Enfin maintenant, on a 10 bonnes minutes de vidéo, donc j'espère que le truc vous aura plu. Et franchement, je vais refaire des vidéos avec la Chromecast, mais pour l'instant, avant de faire des vidéos, d'autres vidéos sans Chromecast, je vais en profiter. Moi, plus. Tu peux t'abonner, regarder une autre vidéo et me follow sur Twitter. Bon, je vais pas t'embêter plus, hein, ciao!